Monsieur le maire, monsieur le chef coutumier, messieurs les adjoints, madame la directrice de cabinet, messieurs les conseillers, chers investisseurs, distingués invités, chers amis, je tiens à vous remercier d'être présents ici aujourd'hui, 6 décembre. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition à Ngor, à la mairie d'Ngor, à Dakar, au Sénégal, pour reconnaître l'importance de la solidarité et de l'entraide dans notre communauté. Notre organisation a été témoin de l'impact incroyable que peuvent avoir les dons caritatifs sur la vie des personnes dans le besoin. Nous avons une vision. La seule vision, c'est de ne pas voir l'Afrique sombrer. Voilà, de ne pas voir l'Afrique sombrer. Et nous avons compris que nos États ne peuvent pas tout faire. Il faut venir au secours de l'Afrique. Et il y a un seul problème, aujourd'hui, les gens ont peur. Ils ont essayé des expériences et ça n'a pas marché. Ils sont venus investir. Ils ont été obligés d'ANAC, ils ont été obligés de beaucoup de choses. Donc la GKC est maintenant le pont entre la diaspora et l'Afrique. Pour nous, c'est de sensibiliser au maximum la diaspora africaine afin de pouvoir investir en Afrique. Alors pour nous, c'est très, très important, c'est une manière de lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. Voilà. Ça, c'est les 300 000, ça, c'est pour les mettre ça là-bas. Nous avons 20 tables bancs et nous avons une tonne de riz qu'on a pu recueillir. Et nous avons aussi, par la grâce de Dieu, des vêtements à redonner sa rentabilité. Alors, comme le sport est pour la santé, nous avons décidé aussi d'accompagner la jeunesse. Donc, un jeune maillot, voilà. Mais ça ne sera pas un cadeau, comme je disais. Nous allons nous investir à fond dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de domaines au niveau du Nord. Je pense que le soir, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion d'en parler. Et je pense qu'on aura l'occasion, nous aussi, de prendre des engagements. On va essayer de le suivre. Marque.